je pense que c'est un match plein. Parce que c'est des petits matchs dont on rêve, parce que voilà, on voulait gagner. D'ailleurs, soigner notre dernière sortie avec un match plaisant à voir, je crois que c'était le cas. Il y a eu d'abord un match d'attaque en première mi-temps, puis un match plutôt défensif, mais on a gardé quand même notre rythme offensif tout le match. Et puis on avait cette volonté aussi de faire participer tout le monde, de faire participer les plus jeunes. Donc voilà, malgré les blessures, quoi, avec les blessures aussi de Karim et de Kevin, donc ils ont rempli leur mission. Que ça soit, donc je pense que c'est, ils ont fait partie cette année. C'est des joueurs qui sont dans dans l'ombre un petit peu, mais qui sont importants pour nous au quotidien. Que ce soit Etienne, Lionel ou Rodrigue, parce que ils nous apportent le nombre à l'entraînement, ils mettent l'intensité, et sans eux on ne pourrait pas faire une bonne saison. Et puis il y a aussi l'arrêt de Moses. Moses Sonko, c'est ce que j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas de mots. Je crois que la salle a résumé l'amour qu'elle avait pour ce joueur, et ô combien vraiment, quoi, grand amour par rapport à lui, et ils lui ont bien rendu. Je pense que c'est un joueur qui le mérite. Au-delà de son niveau de jeu, je crois que c'est un joueur qui mérite vraiment d'avoir cette sortie-là, et ça me fait extrêmement plaisir. Ce soir, pour finir, on pouvait pas rêver mieux pour finir. Le gymnase est plein. On fait un troisième carton fantastique. Vraiment, quand vous voyez ce public extraordinaire, un match, cette victoire 89-82 qui clôt une saison difficile au départ, mais derrière, depuis le mois de janvier, c'est vraiment que du bonheur. C'est du bonheur d'avoir vu une équipe comme ça proposer le spectacle qu'on a vu ce soir. Franchement, ce soir, un des plus beaux matchs qu'on ait vu à la salle. Vraiment, je crois qu'on peut partir maintenant en vacances. Il va bientôt falloir préparer la saison prochaine, mais vraiment ce soir, un grand, grand, grand sentiment de fierté. Et tout le public est ravi, vraiment, du basket comme on l'aime. Ouais, un début compliqué jusqu'à décembre. Puis ensuite, on a réussi à relever la tête. Il n'y a pas eu le feu en décembre avec les joueurs qui étaient là. Ils ont continué à avancer, à travailler. On a fait deux changements importants. Jonathan Kazadi qui est arrivé et Moses Sonko, même s'ils ont été un petit peu blessés l'un et l'autre. Et puis, il y a le retour aussi de blessures de trois joueurs. Il y a Karline Kunku, Kevin Corr et Gilles Noël qui sont revenus. Et au moment où on a vraiment joué à 10, on a vraiment été très efficace dans ce que l'on faisait. Pour moi, on a produit un très bon basket à partir de janvier. Donc, ça a été plaisant à coacher cette équipe-là. Les joueurs ont pris plaisir. Et voilà, donc on reste vraiment sur une super note, une super soirée qui résume en elle seule toute l'année.